Moi, j'aime beaucoup les sculptures de Giacometti, mais je préfère presque ses dessins. C'est un très grand dessinateur, mais avant tout, c'est un sculpteur. Et dans ses dessins, et quand tu regardes ses dessins, il est sculpteur même dans ses dessins. Moi, j'aime beaucoup les esquisses de Carpo, parce que j'aime son travail non fini chez Carpo. Toutes les esquisses qu'il y a au musée d'Orsay, moi, ça me plaît beaucoup. Ce côté non fini où on devine à peine le corps, et ça, c'est, moi, je me suis servi un peu de ça. Ouais, qu'il soit plus penché, quoi. Ça, sinon j'enlève ça. Chez Rodin, moi, c'est la puissance de ses corps. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ses muscles, tout est hypertrophié, les mains sont deux fois trop grandes, tout est... En fait, quand tu regardes dans le détail son travail, c'est disproportionné, c'est pas bon, techniquement, mais l'ensemble de la sculpture donne à une super force et une grande élégance, et j'essaie de soutirer de ça de lui, c'est que... Techniquement, anatomiquement, c'est pas bon, mais ce qui est important, c'est de hypertrophier des corps, changer des corps pour leur donner beaucoup d'expression et beaucoup de vie. Un peu liquide, quoi. Un peu chier. Pour être très honnête, même quand je travaille, j'ai pas vraiment d'idée de ce que je fais. C'est presque la matière qui me dit ce que je fais. C'est que du ventre. Je veux dire, il y a rien dans la tête. Et moi, l'intérêt de mon travail, c'est ça. C'est que je réfléchis énormément avant, mais au moment où je travaille, il n'y a plus rien. Il n'y a, y a plus, presque plus d'intellect. Tout est dans le ventre. Donc c'est tout dans l'émotion. S'il est trop liquide, je sais pas ce que... Ok. Bon. En fait, il était bon de plâtre. C'est juste que la patience, ça fait partie de mes trucs, quoi.
Moi, ça fait 10 ans que je le fais, donc techniquement, c'est devenu instinctif chez moi, et il n'y a plus cette notion technique. Maintenant, je m'en libère complètement. Je laisse la matière, je trouve ça très important. Je ne sais pas vraiment où je veux aller, mais j'ai des idées où je veux aller dans ma sculpture, mais je n'ai pas envie d'aller trop vite. Je laisse la sculpture m'amener petit à petit là où j'irai, et je ne sais pas encore où c'est. L'intérêt du bic, c'est que bah, t'effaces pas. Donc un trait qui part, bah, il part, c'est pas grave. Donc là, encore une fois, la matière en soi, c'est l'encre qu'il y a dans ton stylo, bah, c'est elle qui te dirige. À un moment donné, si tu fais une erreur, bah, tu vis avec l'erreur. Et c'est hyper agréable de travailler, que ce soit dans la sculpture ou le dessin, de lâcher prise, tu contrôles pas tout, il y a une erreur, bah, tu joues avec le hasard. Et j'aimais bien ces dessins au bic, où finalement, comme il y a plein de hachures, tu vois à travers les hachures ta page blanche, ta sculpture, y a des lignes bleues, mais entre les lignes bleues, il y a la page blanche. Et donc j'ai essayé de faire la même chose dans mon travail. Normalement, quand tu serres bien tes deux mains en les décalant, en tournant autour, voilà, tu as la forme à peu près de base du cœur qui est presque là. En fait, le métal qui vient derrière, il n'est pas juste pour remplir, quoi. C'est pas le modelage est fait, puis on n'a plus qu'à remplir, puis c'est fini. En fait, pendant que je sculpte en métal, je continue à... pas juste à remplir de métal, mais aussi à accentuer la forme. Donc chaque étape n'est pas figée pour la suivante. Voilà. Voilà. Comme on dit, c'est bien, mais pas top, quoi. C'est là où la technique est extraordinaire, parce que c'est assez dingue, parce qu'on part par quelque chose de très, très froid, très liquide. Après, moi, je fais mon plâtre où je vais mouler tout ça. Donc, je lui mets une chape, un œuf autour. Et le plâtre, il faut savoir, quand on le met, c'est froid. Mais quand il commence à durcir, il devient chaud. Donc, on était parti d'un truc complètement froid à quelque chose qui devient assez chaud. Et une fois que j'ai fait cette coque en plâtre, j'enlève la terre. Donc là, je viens arracher comme un boucher... la terre qui est à l'intérieur, et donc j'ai cette forme en négatif, et après je recoule à l'intérieur du plâtre en positif, parce que je ne peux pas souder sur la terre. Et donc je me retrouve avec la même forme que j'avais
en terre, molle, au toucher, c'est-à-dire qu'elle est finie, mais au toucher, je peux rentrer mon doigt dedans, et j'arrive à cette forme qui, en fait, est devenue complètement dure, qui est devenue en plâtre. C'est quand même bien sorti. Ouais, c'est génial. Ouais. Voilà, et lui après, on va lui couler son positif et lui on va le péter. Ok, on va faire une coulée de plâtre. Okay.